Pour en revenir aux prophéties qui s'accomplissent par les efforts qu'on déploie pour les contrer, je me souviens que tu en as évoqué une, mon frère. Un récit grec de théâtre, sinistre, mais très populaire. Vois-tu duquel je parle ? Tous les Grecs connaissent la tragédie du roi de Thèbes. Oui, ce genre d'histoire circule pas mal. Mimir, Freya, que s'est-il passé après que Freyr a été brûlé par les As ? Eh bien, il a survécu, évidemment, et a même profité de l'occasion pour s'enfuir. Mais après un tel affront, la guerre était inévitable. Après ça, Freyr n'a plus été le même. Du moins pendant un certain temps. Nous reprendrons plus tard. Donc, une de tes tours de forage est ici, Mimir ? Voilà fumée au-dessus de nous. C'est là que nous allons. Voyons si nous pouvons la retirer. Freya, saurais-tu soigner cette terre, la rendre apte à accueillir des frais ? Peut-être. Mais effacer des siècles de fumée, de métal, d'huile, c'est un travail énorme. Il faudra du temps. Nous n'avons pas le temps, Mimir. Un jour, peut-être. Qu'as-tu trouvé ? Une graine d'Yggdrasil ? Pour Muspelheim. Où crois-tu qu'elle mène ? Au Gantelet, peut-être ? Au quoi ? Des épreuves de combat. Nous, je les ai passées, il y a plusieurs années. Avec Atreus ? Oui. Alors nous devrions trouver la seconde moitié de la graine, et voir où elle mène. Sur ta gauche.
déborder de matériaux qui nous seraient utiles. Nous devrions en profiter pour nous servir au passage. Que tu les avais dupés. Oh, quelque part entre le jour où Odin leur a demandé toute une année d'armes en un mois et celui où ils ont compris que tout l'or d'Asgard ne leur apporterait pas ce qu'ils souhaitaient vraiment. C'est-à-dire ? Le choix. Ce que tu viens de ramasser, c'est du minerai pur de Svartalfheim. Il ne servira plus à rien ici, mais peut-être que les frères Uldr sauront quoi fabriquer avec. Comment sais-tu ? Je les ai fait construire afin d'extraire du minerai pour l'armement, privant ainsi les nains de ressources qui auraient dû leur revenir. Crois-tu qu'arrêter les tours de forage pourrait encourager les nains à reprendre leur indépendance ? Je l'ignore, mais je dois faire quelque chose. Il y a une autre tour de forage sur cette île, mon frère. Tu sens cette fumée ? Pourquoi les nains ont-ils laissé les As piller leurs ressources de la sorte ? C'est là le cœur du problème. Tu leur as menti. Je leur ai menti. Regarde un peu. Je ne m'imaginais pas que nous aurions tant à explorer. Semble te rattraper, Mimir. Le menteur. Les nains ne sont pas grâce à toi. Tu n'as pas tort, mon frère.
Odin aurait massacré les nains de Svartalfheim jusqu'au dernier. Il n'aurait laissé personne profiter de leur talent à sa place. Freya, tu parlais de ton frère et de ce qui lui est arrivé après avoir été brûlé par les As. Oui. Cet épisode l'a longtemps hanté. Son insouciance passée a fait place au cauchemar, à la paranoïa et aux accès de violence. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage, mais je peux comprendre d'où venait sa colère. Frère, concernant les oracles de ton pays, dirais-tu qu'elles manipulaient les événements? Avaient-elles leurs propres motivations? Je ne doute pas qu'elles agissaient avant tout dans leur intérêt. Faire une pause. Une autre tour de forage sur cette île. Suis la fumée. Tu évoques tes actes avec honte. Regrettes-tu d'avoir empêché Odin de les tuer? Non. Cette hauteur semble correcte. C'est tonneau. Il sent l'essence. Je suis sûr que le feu de tes lames pourrait les faire détonner. Donc, Mimir, tu es haï par tout un royaume à cause d'une seule erreur. À juste titre. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je... Bien. Je sais ce que ça fait. Impressionnant. Bonne idée. Mm-hmm.
qui a l'air à la bonne hauteur à présent. Cet équipement est plus robuste que je le pensais. Peut-on se réjouir d'avoir accompli une tâche aussi mince? Une simple goutte d'eau dans l'océan des méfaits d'Asgard. Tu dois vivre avec tes actes, mais ils ne doivent pas te troubler, mon frère. Hein? Et pourquoi donc? Tu t'es vu confier un problème insoluble. Ne te reproche pas de ne pas l'avoir résolu. Je doute que les nains le voient de cet œil. Cela n'arrange rien. Non, mais c'est un début. Pour rappel, mon frère, les scories de Svartalfheim qu'on a ramassées pourraient être d'une grande utilité à Brock et Sindri. Ugh!